commandant du rassemblement des oufouitistes pour la démocratie, le RHDP, qui doit assurer la victoire de son candidat à la présidentielle de 2020, dont le Tchologo a été installé le dimanche 1er décembre 2019 par le directeur exécutif adjoint en charge des organisations professionnelles, le ministre Sidiki Konaté, à la place Alassane Ouattara de Ferkessédougou. Cette cérémonie, placée sous la protection des ancêtres à travers la libation effectuée par la chefferie traditionnelle et sous celle de Dieu par la prière faite par le collectif des guides religieux, a été un véritable succès au regard de la mobilisation exceptionnelle des fils et filles de la région du Tchologo, venus des départements de Ferkessédougou, Kong et Ouangoloudougou. Une série d'allocutions et de motions de soutien a meublé cette cérémonie. Ainsi, M. Traoré Bamoudien, premier vice-président du conseil régional du Tchologo, a souhaité la bienvenue à la délégation de la direction exécutive du RHDP et à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour assister à cette importante cérémonie. Les objectifs du RHDP en 2020, 2025, 2030. Cap, j'espère que vous le savez, c'est le cap défini par le président de notre parti, son Excellence Alassane Ouattara. Ils sont les suivis de motions de soutien aux actions du président de la République par la porte-parole des femmes, Madame Djéné Bassila. Nous, femmes des départements de Ferke, Kong et Ouangoloudougou, apportons notre soutien sans faille au président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara. Et le porte-parole de la jeunesse, M. Ahmed Ouattara. Le président Alassane Ouattara a permis au pays de renouer systématiquement avec la stabilité politique, la paix sociale et le développement économique grâce à l'union des enfants de Félix Oufoué-Boigny au sein du RHDP. Désigné coordonnateur RHDP de la région du Tchologo par les instances dirigeantes de sa chapelle politique, le ministre Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, et son équipe ont été effectivement installés dans leurs nouvelles fonctions par le ministre Sidiki Konaté, émissaire de la direction exécutive. Vêtu de ses nouveaux habits de coordonnateur régional RHDP du Tchologo, le ministre Téné Birahima Ouattara a exprimé toute sa joie et sa reconnaissance à ses hôtes. Mesdames et messieurs, honorables invités, la coordination régionale du Tchologo que j'ai l'honneur de diriger entend jouer pleinement son rôle conformément aux conclusions du séminaire des coordonnateurs régionaux et coordonnateurs régionaux associés tenu récemment à Yamoussoukro les 11 et 12 octobre 2019, et cela toujours en parfaite harmonie avec la vision du président du RHDP, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, notre capitaine à tous. Quant au ministre Konaté Sidiki, il a révélé que le nouveau coordonnateur régional inspire confiance et son amour pour la région, son travail au service des populations, ainsi que son dévouement à leur cause politique sont reconnus et qu'il a également le choix de la haute direction du parti présidé par Alassane Ouattara. Pour terminer, le coordonnateur régional et son équipe ont effectué un tour d'honneur pour saluer les militants et sympathisants venus nombreux les soutenir. À la fin de la cérémonie, l'équipe de reportage a recueilli les impressions de certains témoins de cette cérémonie d'investiture.
avec des opérations d'inscription sur la liste sur le cadre national. Donc nous nous engageons pleinement à réussir cette mission, que au soir d'octobre 2020, RHDP Autonomie de la Soudan soit totalement majoritaire à 100% comme nous le faisons depuis la création de RHDP. Une nouvelle mission pour nous, c'est une ancienne mission. Nous allons nous atteler avec la feuille de route qui est la nôtre à assumer pleinement à la satisfaction du président du RHDP Alassane Ouattara et aussi du coordinateur régional, le ministre Élie Ouattara, qui nous a proposé à cette nomination. Nous allons lui faire honneur parce que dans une démocratie d'opinion, tout l'art de la politique est de susciter l'espoir sans jamais s'exposer à le décevoir. Il nous a fait confiance, nous n'avons pas le décevoir, nous avons travaillé correctement sur le terrain pour qu'il soit satisfait. Merci. 14 décembre 2019 s'est tenue la quatrième et dernière session ordinaire du Conseil régional du Tchologo au titre de l'année 2019 au centre polyvalent de Ferkessédougou. Cette session, débutée par la libation de la chefferie traditionnelle et la prière du collectif des chefs religieux, a été l'occasion pour le président du Conseil, le ministre Tene Birahima Ouattara, de présenter le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2019. Pendant son intervention, il a fait savoir sa vision pour les populations du Tchologo en ces termes. Comme vous pouvez le constater, le conseil régional est au travail pour améliorer nos conditions de vie à tous. C'est notre vision. Mais je voudrais souligner que cette vision n'est possible qu'avec votre soutien. Je le dis, je le répète. Il faut que vous puissiez soutenir les actions du Conseil régional. Soutenir les actions du Conseil régional, c'est donc à travers vos prières, à travers vos conseils, d'où la mise en place du CESER. Et nous pensons que nos parents sont conscients du fait que lorsque nous retrouvons au Conseil régional, nous mettons de côté nos avis politiques. C'est très important, je passe le temps à le répéter de grâce. Mettons de côté nos amis politiques lorsque nous sommes au Conseil régional pour penser développement. À la suite du président du Conseil qui a ouvert les travaux, se sont succédés au pupitre. Le DAF du Conseil, Ouattara Siaka, qui a fait le point des investissements. Le DG du Conseil, Monsieur Bané, qui a fait la modération des interventions. Le président du CESER, Monsieur Yewe Paulin, qui a fait les observations du CESER. Monsieur Ouattara Bakary, qui a fait les observations des sénateurs. Et enfin, le vice-président, Monsieur Traoré Bamoudien, qui a fait des précisions relatives au budget du Conseil. Ce budget primitif de l'année 2020, qui s'élève à 9 milliards 400 millions de francs CFA, a été voté à l'unanimité sous la présidence de son président, Monsieur Tene Birahima Ouattara. Et en présence du préfet de Ouangoloundougou, Monsieur Souris Jean-Pierre, représentant le préfet de la région du Tchologo. Ce budget permettra la réalisation de projets dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique villageoise et de traitement de points critiques de 17 km de pistes rurales et bien d'autres infrastructures de base adaptées aux besoins quotidiens des populations du Tchologo. À la fin de ce conseil, le président du conseil régional du Tchologo, Monsieur Tene Birahima Ouattara, a offert des dons aux différents départements de la région et s'est prêté aux questions des journalistes lors de l'événement. Le samedi 21 décembre 2019 a eu lieu à Niélé, Noël de rêve, première édition. Plus de 500 enfants venant de Diawala, Niélé, Ouangoloundougou, Pogo, Tumukoro, Kaoura, Mbenge ont reçu des présents. Il faudra noter que cette fête des enfants des zones rurales du Tchologo a été une réussite grâce aux partenaires officiels. Le conseil municipal de Niélé, dirigé par le maire Alassane Ouattara, et sous le haut patronage du président du conseil régional du Tchologo, Monsieur Tene Birahima Ouattara. Ce fut une belle cérémonie dont les enfants très heureux ont adoré, tout en espérant revivre
la prochaine édition. Le mardi 31 décembre 2019, le président du conseil régional du Choloko, M. Télé Biraïma Ouattara, a offert le réveillon du nouvel an 2020 aux responsables administratifs, aux élus, aux opérateurs économiques et à toute la population de la région du Choloko. Cette cérémonie riche en émotions a été clôturée par un géant feu d'artifice offert à la population par le président du conseil régional du Choloko.